C'est moi qui vais arriver en premier dans le fauteuil. D'accord. Fais la course. Hey, toi qui regardes cette vidéo, ouais toi là, si tu mets pas un pouce bleu et tu t'abonnes pas à notre chaîne, tu vas redoubler ton année scolaire. Présenter ça paie comme jamais. Viens, on chante. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Non, chante pas, laisse-la chanter toute seule. Vas-y, chante tout seul. Tu connais? Oui. Ça paie comme jamais. Ça paie comme jamais. Maintenant, on est là-haut. Loulou et boudin. Loulou et boudin. Coco Nathané. Aïe aïe aïe, connais. Fin d'ab. Oh là 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 là, mais allez, c'est pas grave. Ouais, c'est la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec ma petite soeur Myriam. Salut. Et il y a qui là-bas? Yacine. Et Yacine. Donc aujourd'hui, on va arrêter de rigoler parce que là, la vidéo, vous vous rappelez, cette semaine, j'ai mis justement que Myriam avait cassé. Qu'est-ce que t'as cassé? La tablette. Malheureusement. Check, check, check. Non, non, Yacine, arrête. Ouais. Check, check, check. Bois de l'eau. Check, check, check. Bois de l'eau. Check, check, check. Bon, Myriam, réexplique comment t'as fait pour casser la tablette. Bah, en fait, je l'ai fait tomber. Après, quand elle était tombée, t'étais comme ça. Et après, elle était pas top lit. Vas-y, check. Ah, check. Et bah non. Attends, et bah non. Elle va bien fort. Elle t'a mis un vrai vent. Donc, Myriam, les abonnés, je leur ai demandé de te donner des défis ou des punitions. D'accord? Des défis. Tu préfères des défis ou des punitions? Je préfère des défis. Des défis, bah ça, elle est malin, elle est maline. Donc regarde, il y a une personne qui a dit, Lohan Lachance, il a dit on te met une heure au coin. Une heure. Lohan, je te confierai jamais. Qu'est-ce que attends. Je te confierai jamais mes enfants. Qu'est-ce que tu veux dire à Lohan? Passe-tu un message. Je veux dire, taper comme d'avait le ça se fait pas. Et une heure, il voulait te mettre une heure comme ça au coin. Dis-lui, ça se fait pas. Une heure, ça te fait pas, et après qu'on est dit une heure, ça te fait pas. Eh ouais, Lohan, c'est pas bien, et je te donnerai jamais mes enfants, toi. Une heure au compte. Bah oui, une heure. Ensuite, regarde là, vous allez rigoler. Parle pas, Myriam, vite fait. Le gamer, il a dit, moi, mon portable a eu exactement le même problème. Il faut que tu dises que c'est un pote à toi et qu'il s'est pris la tablette. Par contre, il faut pas que ce soit la même assurance. Si tu veux plus de détails, dis-moi. Le gamer, je te vois trop arriver au magasin et dire, tu sais, au vendeur, oui, bonjour, voilà, ma tablette elle est cassée, je l'ai passée au pote de mon pote qui me l'a redonné, puis il l'a cassée, il l'a repris pour la casser, je pourrais la réparer s'il vous plaît? Par contre, j'ai son assurance, donc tu vois, c'est. Hey, tu m'as dit n'importe quoi, poto. On peut la rendre au magasin, il nous a donné une nouvelle? Bah oui. Yacine, on peut? C'est mort, hein. Je sais pas, essaye. Il est brisé le truc, c'est. Ta sacoche de dealer de shit, tu passeras jamais. Ma sacoche, passe ma sacoche, je vais la mettre pour la paix. Bah ouais, sacoche de dealer de shit, tu passeras jamais. Tu passeras jamais, tu passeras jamais. Ma sacoche, elle passe crème. Rien qu'à cause de lui, à chaque fois qu'on va dans les magasins, les vigiles ils nous collent. Ils veulent pas nous laisser. Ils veulent pas nous laisser. Pas mal la sacoche, tu vois. Bah vas-y, on va la laisser pour la vidéo. Ouais, je te pique tout à l'heure, je suis en mode. Bah ouais, je te dis, mets-toi dans le plan de la vidéo, poto. Maillot dans le t-shirt. Ah ouais, toi t'es parti en cacahuète. Les jambes croisées. Donc on continue avec NJZ. Myriam, on l'envoie au bled. Like. Pour ce commentaire. Est-ce que tu vas repartir en Algérie? Elle a déjà été au bled. Oui. Et quand elle est revenue du bled, raconte-leur à la quand. C'était une blédard. C'était une blédard, ça dure quoi? Bah oui, c'était l'Algérie qu'on avait y allé avec Khaled Abkaden. C'était leader. Ah, tu connais les Khaled Abkaden? C'est qui Khaled Abkaden? C'est notre oncle. Il t'a traumatisé? Bah, en fait, comment il est Khaled Abkaden? Il a quoi ici? Il a une grosse moutarde. Et il fait que de crier comme ça. Bah oui. Elle est partie au bled et je vous promets, quand elle est revenue, elle mordait, elle se battait. Elle s'habituait, elle s'habituait parce que là-bas c'est de la survie là-bas. Tu te rappelles quand tu nous mordais? Avec tes claquettes, là, je me rappelle avec tes claquettes. Donc on continue avec justement Baby Clay. Il dit tous ceux qui disent que la petite ça se fait pas et tout. Ouais, parce que attends, il y en a plein qui ont dit. Attends, Myriam. Il y en a plein qui ont dit oui, Myriam, faut pas la punir, elle a 3 ans, elle sait pas. Regardez ce qu'il a dit. Si tu la punis pas maintenant, plus tard elle va croire que tout ce qu'elle casse, ça va revenir. Elle s'en fout et tout, mais l'éducation, c'est pas à 5 ans, c'est maintenant, et ils ont raison de la punir. Donc bon commentaire, parce qu'il y en a plein, ils ont dit ouais, elle a 3 ans. Après, faut pas vous plaindre si dès que vos enfants ils ont 5 ans, vous devez appeler Super Nanny. Dès le plus jeune âge, il faut les éduquer, bien sûr. Bah oui, Super Nanny, elle est d'enfant et elle lui punit. Elle les punit, parce que Super Nanny, des enfants de 2-3 ans, elle les punit, parce que c'est l'éducation. Bah oui, c'est comme ça. Non, après, faut les punir, mais faut pas non plus être grave méchant. Bah, après, ils vont les punir. Ils vont les punir. Faut faire des punitions adaptées. On continue avec lui, ça doit être un blédard.
père, Myriam, écoute ce qu'il dit. La merguez, bah oui, la merguez au chocolat. Bah, le petit enfant, il l'a puni. Ouais, regarde ce qu'il a dit. Myriam, écoute ce qu'il a dit. Tu prends la face, ceinture Gucci, rac, 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 et voilà, je rigole, achète-lui une nouvelle tablette, elle a que 2 ans, c'est grave, c'est pas grave. Bah oui, on Myriam. On tape pas les enfants, poteau. Bah oui, on tape pas les enfants, poteau. Oui, c'est n'importe quoi. Bah, oui. Ah, d'accord, on tape pas les enfants, poteau. Arrête, Myriam, arrête. Myriam, est-ce que maman, elle te tape? Non. Et papa? Non. Tu vois, faut pas taper les enfants. Et est-ce que moi je te tape? Non. Personne, personne. Ah, j'ai cru qu'elle avait mettre une jean. Donc Mimi, tu voulais faire des défis? Oui. T'as un défi là, chante la Reine des Neiges. Libérée, elle est vraie. En plus t'es mal, elle a le pyjama de la Reine des Neiges. De la Reine des Neiges. Lève-toi sur la chaise, pour une fois que t'as le droit. Regardez, elle a aïe, aïe, aïe. Pyjama de la Reine des Neiges, allez, assis-toi. Pas mal, pas mal. Allez, rejoins ta Reine des Neiges. C'est bon, elle a réussi, elle a réussi. Libérée, elle est vraie. Après, c'est quoi après? Après t'es d'abeille comme jamais, mais comme ça. Vas-y, chante sapé comme jamais. Non, mais ça y est, dis-lui, ça y est, j'ai déjà chanté. T'as eu des dates, chanté. Donc on continue avec Spila, que j'étais à 5, voilà. Fait pour rien, elle a que 2 ans, Miskena. Elle a que 2 ans, Miskena, t'as quel âge? Elle est 2 ans. Vas-y, check. Bois de l'eau. Check. Dis-lui, arrête, c'est pas bien. Non, et voilà. Donc maintenant, on continue avec AMZ Girl, tu la jettes par la fenêtre. Ok. Toute moi, t'es mort de dire à papa. Pas la flèche. En plus, il y a grave du vent, dis-lui. Il y a grave du vent. Les gars, ma mère, elle a puni. Mais t'es pas qui a dit de. Non. Donc, on continue avec Yasof 13. Faites-lui faire des petites pompes. Là, qu'est-ce que vous êtes d'accord? Attends, elle sait pas bien faire les pompes, mais on va quand même les faire. 1, 2, 3. Ah, elle a pas réussi. 2, 3. C'est bien, check. Les gars, Inès, il a ouvert la fenêtre. Et après, les larmes, ils Ah, tu balances en plus, tu balances. Bah oui. Regardez, je vous mets la séquence maintenant. Je fais ce qu'il faut avec le vent. Waouh, il reçoit un grelon. Eh, y'a v'là le vent. Attends. Non, la rafale, elle va arriver. T'as pas peur, Myriam? Non. Oh là là, le vent de ouf. Laisse-moi filmer dehors. T'es mes cheveux. Wow, c'est le bruit du vent. Hein. Eh, descends de là immédiatement. Moi, tu vas tomber. Regarder. Non, mais tu t'assois correctement. Il y a une porte là, porte là. Elle a envie de voir le vent. Péter un câble. Hop. Aïe, sa tête. Ah, désolé. Ça va? Non, tu l'as pas touché sa tête, hop. C'est sa main. Ah, le vent de ouf. Waouh. Subhanallah. Viens, rentre, ça fait peur. Ça fait trop peur. Il y a du vent de ouf. C'est qui souffle comme ça, Myriam? C'est le vent. T'as vu? Quitte-la, ferme. Attends, je crois que tu fais un snap. Tu vas carrément snapper. Bah ouais, frère. Écoutez le bruit, regardez. Tu balances. Bah oui. Il y avait plein de vent, on a ouvert la fenêtre et puis voilà, on voulait regarder tranquillement. Donc on a Wiz Royal, privez-la de télé ou prankez-la. Ouais, prankez, on va te faire un prank, ouais. Bah oui. On va lui faire un prank, mais on vous en dit pas plus. Là, par contre, cette punition, j'étais cuit, oh, Yassine. Écoute, Nounou, je suis sûr que tu t'es déjà mangé cette punition, écoute. Pour moi, pendant une semaine, pas de télé et de téléphone, à la place, vous lisez un livre. Je suis sûr, ses parents, ils ont dû lui faire ça. Ses parents, ils ont dû la punir de télé. les parents... Voilà. Elle fait des vendeurs. Wesh, qu'est-ce qui t'arrive? Elle était mal, Nounou. Nounou, comment s'est fait punir? Ses parents, ils l'ont privé de téléphone et le soir, ils lui lisaient des livres. Non, puni de téléphone et puni pas de livres. Ah ouais, c'est chaud. On enchaîne avec le dernier de Nidrox. Couper ses tétines devant elle avec un couteau à 1000 degrés. Nidrox, poteau, pour un bébé, la tétine, c'est ce qu'il y a de plus la important. Tétine. Sachez que Myriam, si elle a pas ça, elle peut pas dormir. C'est vrai ou pas? Par vrai, quand tu la perds ta tétine, tu fais comment? Bah, de la gueule. Tu fais allume ma titi. Bah oui. Partout. C'est vrai ou pas? Bah oui. En tout cas, pour finir cette vidéo, c'est pas grave si elle l'a cassée. C'est pas grave si on va la casser. Mais tu n'auras plus de tablette avant longtemps, hein, pas vrai? Bah oui. Mais tu vas prendre. Regardez, mais tablette. Prends le téléphone à mon père pour regarder les dessins animés. Je pense que si on arrive aux 500 000 abonnés, je t'offrirai peut-être une tablette. Ouais. Comme d'hab. Si la vidéo fait beaucoup de pouces bleus, genre 30 000 pouces bleus, je pense que c'est énorme. On lui fera une petite tablette. Elle sait le faire, elle sait faire le code. Elle sait faire le code normal, poteau. Non, elle sait pas le faire. Ah, non. Tu veux que je te fasse le code? Non, fais-lui pas le code, elle va mettre sapé comme jamais, on va se prendre des copyrights. Ah ouais, parce qu'elle est en train de regarder Maître Gim, sapé comme jamais. Donc Myriam, si t'as un petit message à passer aux abonnés, vas-y, après je vais te mettre, t'inquiète.
T'as un petit truc à dire aux abonnés? Fin d'ab. Bah oui. Fin d'ab. Tu leur dis abonnez-vous. Tu dabs mieux que Younes. Abonnez-vous. Vas-y, refais un dab. Vas-y, fais un dab toi, Younes. Moi, mon dab, regarde, mais comment je fais moi. Vas-y, fais comme Younes. Mais toi, tu te caches comme ça, on fait. Non, c'est comme ça, regarde. Fais-le. Oui, je suis trop petite. Bah, tu es trop petite. Non, tu fais des meilleurs dabs que Younes. Hein. Donc, mal, Myriam, il est 22h, 23h même pas, tu vas aller dormir et nous, on va mettre fin à la vidéo. Allez, demain, check. Demain, on fera une autre vidéo, Inch'Allah, d'accord? Donc, mettez des gros pouces. Bleu. Et abonnez. Bouh. Et Pince. Peace.